le vieux Yabanranga est mort. Le corps, veillé par les femmes dans la maison familiale, est transporté dans la maison collective, où il sera exposé avant d'être conduit dans le tombeau du clan. Enveloppé de couverture, le visage à demi découvert, ses objets familiers déposés près de lui, il est entouré de ses fils et de ses filles. Dans la partie nord de la maison collective, un chant funèbre est entonné par les femmes, rythmé par un martèlement de battes de bois sur un tronc de bambou qui a été apporté pour la circonstance. À l'extérieur, des groupes de femmes dansent et chantent les louanges du défunt. On reconnaît ces bruits à la couronne de feuilles de patates douces qu'elle porte sur la tête. Les provisions, le vin et le rhum circulent et commencent à faire monter la tension. Après plusieurs pauses, celle-ci sera maximale quand, la course du soleil déclinant, on sortira le mort de la grande maison pour le conduire au tombeau. Pendant toute la matinée, la colline va résonner des chants des femmes qui parcourent le village de maison en maison. Les ébus du défunt vont être sacrifiés et l'accompagner dans la mort. Alors que la relation à l'animal est ordinairement familière et protectrice, le bétail est ici traîné sans égard, jeté à terre et lié par les quatre sabots. Il est ailé au rythme du chant qu'on entonne quand on porte la civière du mort jusqu'à l'endroit où il sera décapité et découpé en quartiers. Ini tu. Mereka ini suruh. Saya nak jitu mah. Saya kalau belajar, saya nak jitu.
Les funérailles sont l'occasion d'une tension sociale et d'une débauche de viande, de rhum et de sexe qui répondent aux désordres de la mort. Ce temps d'excès est aussi marqué par l'ambivalence de la relation au défunt. Le mort est entouré de ses proches, veillés, louangés. Mais on lui signifie aussi, sans ménagement, que sa place n'est plus parmi les vivants. Ainsi, le cercueil de cette vieille femme, décédée quelques jours avant Yabalrung, est-il violemment frappé de coups de tête et de coups de poing par ceux qui la conduisent au tombeau. Sur la place centrale du village, au sommet de la colline, les jeunes vont préparer la civière qui servira à transporter le corps enfermé entre deux pirogues. Un coup de feu est tiré quand le défunt est extrait de la maison collective. Alors que les porteurs ont hissé la civière à l'épaule, un notable, proche du défunt, adresse ses recommandations à ceux qui suivront le cortège jusqu'au tombeau. Il lance à la volée des pièces qu'on se dispute dans la poussière. Le mort fera une dernière fois le tour de la grande maison à laquelle il continue d'appartenir, selon le principe, une lignée, un tombeau. Mais sa place sera désormais sur la colline des tombeaux, dont l'occupation spatiale reproduit la configuration de la colline des vivants. Sur le parcours qui mène au tombeau, distant de plusieurs kilomètres du village,
les porteurs vont faire des crochets, emprunter des traverses, revenir en arrière. Il s'agit d'empêcher le mort de retrouver le chemin du village. Quand le cercueil est sorti de la grande maison où le mort est éveillé par ses proches, on chante des couplets d'affliction. Reste encore avec nous, cher homme. Mais on le conspue aussi. Celui-là, nous ne le connaissons pas. Ou encore, nous allons jeter cet animal dans la forêt. Lors du grand repas, qui tous les 3 ans rassemble les habitants de la vallée, quand le prêtre a fini son invocation aux ancêtres et les invite à venir consommer le repas consacré, les jeunes qui ont dressé l'autel se précipitent sur la nourriture, qu'ils dispersent aussitôt et font tout disparaître, la nourriture et l'autel, en quelques minutes. Les ancêtres sont des bêtes, explique-t-on. Tenir les morts à bonne distance, ainsi pourrait-on exprimer cette conception qui fait les ancêtres à la fois nécessaires et redoutés. Car si rien ne se peut sur le secours des ancêtres, encore faut-il que ceux-ci soient rituellement traités. Les morts ne deviennent des ancêtres tutélaires qu'au terme d'un processus de transformation qui demande le secours des vivants. C'est précisément à cette opération que nous allons assister. Tous les 5 ou 6 ans, les membres masculins du clan rénovent le tombeau commun. C'est le Dika Vuta. Le 29 mai au matin, nous nous rendons avec Yaban Justin dans le village proche de la colline des tombeaux. C'est là que se sont regroupés les hommes qui vont réaliser les travaux. Cette rénovation est à comprendre au sens large, car elle désigne, au-delà des travaux d'entretien et de réfection de la construction, l'opération qui consiste à faire passer les cadavres de l'ouest à l'est. L'intérieur du tombeau est divisé en 2 parties. L'ouest, où sont entreposés les morts récents, et l'est, où sont entreposés les corps secs. Vuitra signifie colline, mais aussi village, et l'expression Dika Vuitra rappelle, au-delà de l'identité du village et du tombeau, le fait que le passage à l'ancestralité constitue l'accomplissement du destin de chacun. Le tombeau est situé dans une clairière, au sommet d'une colline boisée, où sont abandonnés aussi des objets ayant appartenu aux défunts. C'est une construction en béton qui recouvre une fosse profonde de plusieurs mètres à laquelle on accède par une échelle. Un plancher ferme la fosse. Sur la construction, 2 inscriptions. Zafima Avit, les petits-fils l'ont fait, et la date de l'achèvement de l'édifice, 17 septembre 1958. Avant de commencer les travaux, les hommes les plus âgés ont pénétré dans le tombeau par la porte de l'ouest à la suite de Yaban Justin. On entend le vieil homme lancer les 3 cris de l'appel aux ancêtres et déclamer d'une voix forte une prière à Zanahar. Il s'adresse aux ancêtres pour leur demander leur bénédiction et leur expliquer la raison de ce dérangement. L'invocation terminée, les travaux peuvent commencer. Ils sont distribués en fonction des classes d'âge. Les anciens, qui ont la responsabilité des opérations, s'installent au nord de la clairière. À l'aide de l'échelle qui a été retirée de la fosse,
et appuyés sur le mur ouest, six notables, les plus âgés, ont monté sur le toit afin d'examiner l'état de la terrasse. Ils redescendent dans le même ordre, l'inspection accomplie. Les travaux de menuiserie sont effectués par des hommes mûrs qui s'y emploieront toute la matinée. Il a été décidé de disposer des socles de bois sur les plaques de béton où les corps sont entreposés. Les madriers qui viennent d'être apportés vont être assemblés en ménageant des espaces qui assureront plus efficacement l'écoulement des liquides de putréfaction, facilitant ainsi le processus de dessiccation des cadavres. Pendant que ces travaux se déroulent, les jeunes hommes, les corvéables, dirigés par quelques anciens, sont chargés de la sélection et du transfert des corps de l'ouest à l'est. Le rhum a été généreusement distribué car l'odeur est insoutenable. Tous les cadavres ne sont pas parvenus au même état de dessiccation et on laisse sur place les morts les plus récents. L'intensité vocale et l'agitation augmentent au fur et à mesure des enjambements. Après cette opération, qui constitue l'essentiel du rite, les jeunes sont chargés de nettoyer les abords. On aperçoit le monticule qui domine le fleuve, où sont abandonnés les pirogues et les bambous ayant servi au transport des défunts. De retour au village, Yaban Justin nous relate l'histoire du tombeau. C'était en 1941. Le frère de son père proposa d'envoyer des hommes dans l'ouest, en pays Sakala, pour faire prospérer un cheptel. Les hommes reviendront avec leurs bœufs et le lignage pourra alors investir dans la construction d'un tombeau en dur. Si les termites, expliqua l'oncle, sont capables de construire une maison aussi solide et aussi haute que peut l'être une termitière, comme il en a vu en pays Sakala, pourquoi les hommes n'y parviendraient-ils pas? Elles se réunissent et mettant leurs forces en commun, elles peuvent réussir ce qu'elles entreprennent. Cet exemple montrait à la lignée que ses membres devaient se décider à construire un tombeau en dur. L'oncle ne fut pas suivi. En raison du coût de cette construction,
dont on pensait qu'elle aurait obligé à vendre l'essentiel du cheptel. En 1949, l'oncle décède et l'un de ses frères s'est souvenu de ce vœu du défunt. Il décide de le réaliser. Auparavant, on ne pouvait accéder à la colline des tombeaux qu'en pirogue par le fleuve. Les hommes du clan décident d'aménager un chemin et pour cela de réunir tous les antéloumes de la vallée. La construction de la route avait commencé depuis une semaine quand Yaban Justin est revenu de Diego, où il était retenu prisonnier en raison de sa participation à l'insurrection de 1947. À cause de problèmes avec des membres du clan qui ont aujourd'hui un tombeau séparé, on décide de faire appel à un vaza de Manaka, un certain Lorette qui dirigera les travaux. Il confie au Fukunu le soin de creuser les fosses, et ce n'est que 9 mois après la prise en main des travaux par ce Lorette que le tombeau sera achevé. On a consulté un devin pour connaître la date favorable au transfert des ossements du vieux tombeau dans le neuf. Lorette a remis la clé une fois le tombeau fini et le transfert a été opéré. Ce fut le premier Dika Voutre. Yaban Justin précise que c'est lui qui a fait installer une échelle dans la fosse pour éviter que les hommes, étourdis par l'alcool, ne tombent au fond. Et il énumère les différents compartiments du tombeau. Il arrive parfois que les places de l'ouest soient vides parce que tout le monde est passé à l'est. On demande alors par plaisanterie, « Où préfères-tu dormir ? Là où c'est bien propre ? Là-bas dans le tombeau ? Ou là où c'est sale ? Ici dans ta maison ? Ou encore, « Ah, c'est bien propre là-bas en ce moment. Quelle femme vas-tu emmener pour dormir avec toi ?» De retour à Ambila le 11 juillet, nous apprenons que Yaban Justin a été condamné à payer un bœuf pour avoir amené des étrangers sur le site des tombeaux et qu'il refuse de payer cette amende. Alors qu'il pleut sans discontinuer sur la vallée, nous allons vivre ce que nous avons appelé la semaine des canards ou le cabar des 46 jours. Le bœuf est là, ramené par Georges, un des fils de Yaban Justin, du pays Tanal où vit son beau-frère. Le 6 juin, un dimanche, Yaban Justin est donc inculpé pour avoir enfreint la tradition. L'ancien du clan des Antépoudes, clan symétrique du clan de Yaban Justin, Yaban Piaru, s'étant rendu dans la grande maison des Antiloumes de Vipanan, il lui a été demandé si Yaban Justin l'avait consulté pour amener un vaza au tombeau. Yaban Justin, qui se donne volontiers comme le chef de la vallée, mais qui ne représente que sa lignée, n'en a rien fait, alors que le sujet se trouve être particulièrement sensible. Mis en minorité, car l'affaire a remué des choses profondes, Yaban Justin est condamné à une amende de 3 bœufs et à une pénalité monétaire. Alors qu'il refuse d'accepter cette sanction, les hommes de sa lignée lui demandent de s'accommoder de ce verdict, l'amende étant ramenée à un bœuf. Il faut, argumente-t-il, préserver l'unité de la grande maison. Il ne s'agit plus alors d'amende ou de reconnaître une faute, mais d'une purification, d'un sacrifice commun qui doit restaurer l'unité du clan. Le sentiment d'unité de la lignée est galvanisé et nous assistons chez Yaban Justin à des discussions passionnées. Les principaux notables
ici dirigeant la réhabilitation d'une rizière collective, sont mobilisés. Yaban Justin ne se rend plus dans la grande maison où il dirige habituellement les rituels. Il menace d'ouvrir un tombeau séparé et de rompre l'unité de la moitié sud de la colline. Notre retour imprévu complique l'affaire. Personne ne veut désormais endosser la responsabilité ni l'exécution du sacrifice. Deux des fils de Yaban Justin sont allés dire à Yaban Piar: « Tiens, voilà le bœuf, fais-en ce que tu veux. » Mais celui-ci, dépassé par les événements, décline cette proposition empoisonnée. Pour se protéger d'éventuelles suites, les hommes de Yaban Piar font savoir à Yaban Justin qu'il devra signer un papier stipulant qu'il renoncera à toute représailles contre eux. Yaban Justin refuse évidemment de signer quoi que ce soit. Pendant que nous sommes chez Yaban Justin, son avocat, Yaban Van, entre, annonçant qu'ils ont finalement décidé de signer le papier, deux hommes de chaque lignée, pour mettre un terme à ce litige. Le sacrifice peut maintenant avoir lieu. Alors qu'il pleut sans répit, on fait monter le bœuf qui vaquait depuis plusieurs jours entre les maisons, broutant sur les terrasses inférieures du village jusqu'à la place centrale. Le sacrifice est exécuté par trois corvéables de la lignée de Yaban Justin, qui se chargent aussi de découper la viande et d'aller la distribuer dans les différentes maisons. L'animal sera mis à mort, la tête tournée vers l'est, sur la place centrale, où trois pierres, comme les trois pierres du foyer, et deux poteaux de fondation symbolisent la charte sociale. Autour de la place, les 13 maisons collectives représentent les différents clans. La constitution politique organise l'égalité des clans fondateurs par la rotation des charges et le partage des fonctions électives. En
ancien tributaire du royaume Antimour, les habitants de la Vallée ont ainsi créé, après avoir secoué le joug de la dynastie de Vuipen, une constitution originale. Entre le XIIe et le XIVe siècle, les Antémous, immigrants se réclamant de la Mecque, possédant l'écriture et des textes astrologiques, les Soulabé, ont subjugué les populations locales, instaurant une féodalité exercée par le contrôle des rizières, le privilège de l'abattage et par une stricte endogamie de clan. À la fin du XIXe siècle, les tributaires se révoltent. C'est la guerre pour l'abattage des bœufs. Ils brisent le monopole rituel des clans dynastiques qui leur permettait de se réserver la croupe de tout animal sacrifié. Ils s'organisent alors selon une représentation qui partage le pouvoir entre les clans fondateurs. L'affaire du tombeau est une illustration de ce caractère égalitaire de la constitution d'Ambi. La suprématie politique, la spécialisation rituelle ou le prestige personnel ne permettent à quiconque, fût-il apparemment le premier, de se soustraire à l'approbation collective. Le lendemain, le soleil réapparaît. Les femmes reviennent du fleuve, portant sur la tête les ballots de linge qu'elles y ont lavés, ce que la pluie continuelle avait jusqu'alors empêché de faire. Le riz, pour la consommation du jour, est de nouveau exposé sur les nattes, à l'extérieur. Quelques quartiers, dont un pied, arriveront chez Yaban Justin, qui fait savoir qu'il ne consommera pas de cette viande, marquant par là qu'il est au-dessus de cette affaire et étranger à son dénouement. La vie sur la colline a repris son cours ordinaire, rythmé par les activités de la rizière et par les rassemblements des funérailles. Sur le versant est, la maison de Yaban Justin est un lieu de visite obligé. Bien qu'il ne soit qu'un acteur, parmi d'autres, du jeu politique, et qu'il ne soit pas véritablement un spécialiste rituel, il joue, en raison de sa connaissance de l'histoire et des généalogies, et de son autorité personnelle, un rôle de premier plan. Quand on entonne pour lui la louange à boire, le dithyrambe comporté autrefois au roi Antémour,
Yaban Justin est visiblement enchanté. Mais il sait qu'il n'est pas un dynaste. L'affaire du tombeau le lui a rappelé. S'il ne s'est jamais départi de son esprit enjoué et espiègle, taquinant les enfants et plaisantant avec les femmes, Yaban Justin n'a pourtant pas pardonné l'affront. Les élections municipales, quelques mois après, ont vu la victoire de son candidat. Tous les candidats étant d'ailleurs venus lui rendre visite pour recevoir sa bénédiction. « Il est comme le chien d'an », épilogue une femme au soir des élections. « Vous avez beau l'arracher ou le piétiner, il repousse toujours. » Dans son invocation aux ancêtres, à l'intention de qui on verse un peu de rhum sur la natte en direction de l'Est, Yaban Justin prend ceci à témoin de la venue des étrangers. L'affaire du tombeau a été l'occasion d'affirmer la solidarité des membres de la lignée qui tous se sont rangés derrière Yaban Justin. Pour la nouvelle année, ses enfants viennent honorer le vieil homme dans sa maison. Chants et danses, rites, la fête familiale. Le dénouement de ce cabaret tient dans l'intérêt commun que les protagonistes avaient à résoudre le conflit. Demander à quitter le tombeau est gravissime. Le principe constitutionnel d'égalité et de compétition des lignées a pour régulateur l'accord substantiel des vivants et des morts matérialisé par le tombeau. Ra 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 ra